Et c'est parti avec les Boys of Dakar pour une pêche à la ligne au diabar incroyable. On comprend la puissance du diabar quand on le pêche à la main. Ici Mbaye, excellent pêcheur, commence un combat. Notre fil est du 68 kg, monté avec un émerillon, un plomb de 60 g, un bas de ligne de 3 mètres et un hameçon numéro 2. Une fois ferré, il faut rapidement lever la tête du poisson, qui veut fuir et rentrer dans les roches. Yat a fabriqué ce matin le filet de l'épuisette. Deux touches de suite. Premier diabar de 20 kilos. Écoutez le bruit du nylon. Je renvoie mes doigts. Captain Haas voit que le poisson de Yat est gros. Yat, il a un monstre. Thierry sort un diabar de 16 kilos. Mbaye faire de nouveau un poisson. Alors que Toufik sort le sien d'environ 10 kilos. Le diabar de Yat est superbe. Écrasé au sol, il pèse 27 kilos dans ses bras. Toufik se bat de nouveau. Alors que Toufik perd son poisson, je viens de sentir un poisson toucher mon appât. Alors que je remonte doucement ma ligne, nouvelle attaque qui me surprend. Le fil vole autour de moi, mais je tiens le poisson. Coincé entre le moteur et le caillebotti du bateau, ma position n'est pas évidente. Si je n'éloigne pas le fil, il frotte contre le bétail. Touche ratée pour Eumecène. Mon poisson remonte enfin. La glacière me gêne et Captain Haas rigole bien. Putain, heureusement c'est un petit. Au mordu et à Olivier Deslandes. Et c'est reparti pour Toufik et sa technique. Blocage et tête en haut. Alors que son poisson de 10 kg remonte, à mon tour de ferrer. Le fil frotte contre la coque. Le courant passe sous le bateau. Allez, Gédé, force-le. Pas de forcer, je suis si rapide. On est ensemble. On est ensemble. Pas de monte, monte, monte. Environ 14 kg. Regardez Mbaye. Il ferre, puis perd le poisson. Mais il n'abandonne pas. Il anime son appât en le remontant doucement. Et c'est l'attaque, violente. Il résiste, bloque et remonte le poisson. La classe.
Notre super yacht lui remonte le diabar d'environ 15 kilos. Attention, gros poisson. Yacht est Toufik qui souffre. Et le sort. Wow. Tiens, par les poils. Plus de 20 kilos. Allez, gazez. Eumecène ne parle pas beaucoup, mais il pêche bien. Ici encore, un diabar de plus de 15 kilos. C'est au tour de Thierry de toucher un poisson. Et c'est un gros. Laisse pas toucher à la coque, hein. Ouais, vas-y, combien ? Faut au bidon. Plus de 20 kilos. Allez, Thierry ! Allez. Et c'est à moi de souffrir. Pas facile dans cette position. Et c'est reparti pour Toufik. Là, vous voyez qui est le pro. Et qui se moque de nous. Zing et Ming en action. Goumbe 1 et Goumbe 2. Regardez-moi déjà pas les gars. C'est le gars. Vas-y, Thierry. Quelle joie de sortir ce poisson. Ouh. Bravo. De nouveau, je fais. Bien, Poussal. Le poisson est sous le bateau. Pour le plus grand plaisir, le capitaine Haas et Thierry. On voit que ton cul, hein. On voit que ton cul. On sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il est comme ça, ça fait 5 minutes, il est comme ça. On sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est un gros juste là-bas. On peut rien faire. Alors que Yat le prend, Bai est reparti au combat. Quel plaisir de le voir travailler le poisson. Moi j'attrape beaucoup de pêcheurs. Et à peine son poisson de 18 kilos à bord, Eumecen en tient un autre. Et autour de Toufik. Superbe diabar de près de 20 kilos. Thierry vient de ferrer un gros poisson. Le poisson est parti dans le courant et il n'a pas de bonne protection. Gère le rec, c'est pas un problème. Gère le rec, y'a pas de problème. Vous le bloquez, allez. Allez, ramène. Commence à bloquer. Thierry, comment. Allez, Thierry, balancez. Hein? Mais quel splendide diabar de plus de 25 kilos. Allez, Thierry. Alors, et qui fait le plus gros poisson de la soirée? Regardez et admirez. Captain Haas n'a aucune protection sur ses doigts. Regardez sa technique. Car quand vous allez voir le poisson, vous comprendrez. L'infatigable Yat est là.
Attention, là, bouchon, là, les as. Il est où? Là, à la base. Ouais, quel poisson de presque 40 kilos. Énorme. Ouh. Sacrée soirée. Dernier gros plan avant de se coucher. Un immense merci à Captain Haas et à mes amis pour cette pêche qui sera la pêche de notre vie, tant elle est exceptionnelle. N'oublions pas qu'il faut protéger nos ressources des pilleurs. Ils ne sont pas loin. À bientôt.